Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 juillet. C'est une grande joie aussi de pouvoir, en ce mardi qui est consacré traditionnellement aux anges gardiens, de relever aussi le rôle merveilleux de nos anges qui sont toujours présents auprès de nous, qui veillent sur nous et aussi qui ont une mission tout à fait particulière puisque c'est à eux que le Seigneur a demandé de finalement de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre l'ivraie et le bon grain. Nos anges gardiens, nos anges qui veillent sur nous, eh bien, ils sont toujours là pour nous aider à faire le bien et à éviter le mal. Et puis, comme ils ne supportent pas du tout les ténèbres et le mal, eh bien, nous pouvons toujours les appeler. Ils sont toujours dans la louange. Que tout esprit loue le Seigneur, c'est une très belle prière qui nous amène nous aussi à louer le Seigneur et à chasser de nous, de notre cœur et puis de notre entourage, tout ce qui serait ivraie pour que ne garde que le bon grain. Puis ce qui est beau aussi, c'est que les anges, eh bien justement, ils sont toujours là pour faire monter vers le Seigneur nos bonnes actions. Ils ne nous accusent jamais, ils sont toujours là pour nous défendre et ils intercèdent auprès de Dieu. Alors ayons une vraie dévotion, une vraie piété envers nos anges gardiens, prions-les, confions bien sûr nos familles et les petits-enfants en particulier, car l'ange gardien protège vraiment les enfants et les mène sur le chemin du bonheur et de la vie, de cette vie qui ne passera pas. Mon bon ange gardien, veillez sur nous. Veillez sur moi et veillez sur nous tous. À vous tous une très très belle journée, un très beau mardi avec nos anges. Prenons l'habitude, une fois par semaine au moins, le mardi, de les prier. Alors, pour que nous puissions trouver une belle prière à l'ange gardien, je vais vous en donner une tout de suite. Et ce sera pour moi l'occasion de vous souhaiter une très très bonne journée. Béni sois-tu, saint ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui jour et nuit m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut, éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce d'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Amen.